Commençons les travaux de l'autoroute Abidjan-Bassam. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan visite aujourd'hui le site. Le déguerpissement des habitants des zones à risque se poursuit, une opération qui ne satisfait pas tout le monde, comme vous allez le voir dans le dossier du dimanche, ce soir. Au Kenya, les autorités redoutent un bilan bien plus élevé que les 59 morts annoncés jusqu'ici dans l'attaque contre le centre commercial Westgate de Nairobi. Bienvenue, bonsoir à tous. Les travaux de construction de l'autoroute Abidjan-Bassam sont en pleine évolution. Ce sont environ 30 km d'autoroute qui seront réalisés. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, accompagné de quelques membres du gouvernement, a visité aujourd'hui le site. Le projet, financé à hauteur de 62 milliards de francs CFA, va s'achever en février 2015. Le point avec Grace Kando. La prospérité et le progrès économique de la Côte d'Ivoire dans le viseur, les autorités ivoiriennes sont à l'œuvre. De ce chantier sortira l'une des infrastructures les plus modernes du pays. Mars 2015, la date butoir, et l'autoroute Abidjan-Grand Bassam sera inaugurée. Ce dimanche matin, le chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan, entouré des ministres Patrick Achi des infrastructures et Kabanyalé en charge de l'économie, est venu constater l'avancée des travaux. Cette autoroute est financée à hauteur de 102 milliards de francs CFA par la République populaire de Chine et une dizaine de milliards de francs CFA par la Côte d'Ivoire, ce qui fait les 102 milliards donc, de francs CFA. Cette autoroute va partir de la place d'Akwaba jusqu'au pont d'Ondoumoussou avec une autoroute 2x3 voies, ça fait donc 6 voies. Et comme chacun devine, notamment sur la partie urbaine, il y a des problèmes réels qui se posent. Il faut permettre donc la circulation tout en travaillant. C'est ce que nous avons vu et je pense que le ministre en charge d'infrastructure économique, avec les autres ministres, vont faire un problème de communication pour mieux expliquer les choses et permettre aux uns aux autres, comprendre l'enjeu. Concerné. À côté de cette infrastructure routière, d'autres projets sont en cours de réalisation. À Jacqueville, par exemple, à plus d'une centaine de kilomètres de Grand Bassam, les travaux de construction d'un pont connaissent une progression. Au jour d'aujourd'hui, les travaux sont à pratiquement à 50%. C'est pour dire que toutes les dispositions ont été prises maintenant pour atteindre l'objectif que nous sommes fixés, qui est le respect du délai. Le pont de Jacqueville, l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, l'échangeur de la Riviera 2, le troisième pont Marcory-Riviera ou l'autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro, des chantiers, il en existe aux quatre coins du pays. La réalisation effective de tous ces projets ne sera qu'un bond en avant vers l'émergence tant attendue. C'était un reportage de Hamza Diaby. 5 véhicules et 10 motocycles offerts aux établissements de formation professionnelle de Côte d'Ivoire. C'est un don de l'Organisation des Nations Unies pour le développement, l'ONUDI. Le matériel roulant a été réceptionné par le ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso. Et c'est un reportage de Hamza Diaby. La Côte d'Ivoire compte 7 millions de sans-emploi selon le Bureau international du travail. La lutte contre le chômage des jeunes devient donc une priorité pour le gouvernement. Plusieurs actions sont menées, notamment l'intensification des formations qualifiantes et la promotion d'activités génératrices de revenus pour les jeunes. L'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, un partenaire dans cette lutte. L'institution vient de remettre un don composé de véhicules et de motos au centre de formation professionnelle. L'objectif est vraiment d'aider le ministère à réformer la formation professionnelle avec une composante matériel, c'est-à-dire réhabiliter 11 centres et les équiper surtout, et puis un volet d'appui au ministère, de renforcement des curricula. Du matériel roulant qui vient à point nommé et le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, l'apprécie à sa juste valeur. Je crois que c'est tous les outils qui vont concourir à la réussite de ce programme qui démarre aujourd'hui pour que la mobilité des chefs d'établissement puisse être totale sur le terrain. C'est vrai que ça peut paraître lourd parce qu'au regard de 18 milliards, on n'a que 125 millions, mais je peux vous dire que tout
à commencer. Ces 10 motos et 5 véhicules de type 4x4 d'une valeur de 125 millions de francs CFA offerts s'inscrivent ainsi dans le projet Proforme, le projet d'appui de l'ONUDI à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes. Je vous invite maintenant dans le village de Montezo, à une dizaine de kilomètres d'Alepé. Vous l'avez deviné, nous sommes en pays Akié. Le village célèbre une nouvelle génération, les Nyando, sont désormais aux commandes de la destinée de Montezo, et cela pendant au moins 15 ans. Le commentaire de Franck Wadio. Les rues de Montezo, un pays Akié situé à une dizaine de kilomètres de la ville d'Alepé, aux couleurs du Fokwe. Rite initiatique qui place au grand jour une des classes de génération appelée à présider aux destinées du village. Et c'est au tour de la génération Nyando d'exercer le pouvoir, un couronnement de plusieurs étapes initiatiques. D'abord, vous allez pour habiller votre femme. Il y a l'écorce d'un arbre qu'on prend, que vous allez chercher en forêt. Ça, c'est la première initiation. C'est ça qu'on donne au chef guerrier. C'est ce qu'il porte. Après la deuxième initiation, vous allez maintenant faire sortir les deux tambours, les deux petits tambours qui accompagnent la tomblan. Après la troisième initiation, c'est le gros tambour que vous devez faire sortir. Après celui maintenant, l'habillement du guerrier, les lianes qu'il a là. Ça se fait discrètement. Aujourd'hui, ils sont mûrs. Après avoir fait 11 ans dans le bois sacré, ils ressortent pour dire à la population, nous sommes là, les Nyando sont là. Tous de pagne vêtus, les initiés, une quarantaine, en hibernation depuis 72 heures, ont investi le village. Leur procession, tout en rythme, est pleine de sens. Plusieurs tours du village pour marquer un début de règne. La génération Nyando aura entre 15 et 21 années pour convaincre. En image, la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Elle va s'ouvrir le 24 septembre prochain sur le thème « Le programme de développement pour l'après-2015, préparons le terrain ». Les assises vont s'achever le 1er octobre prochain. À noter également que le président ivoirien Alassane Ouattara va faire une allocution devant l'Assemblée générale le 25 septembre prochain. Le Kenya, sous le choc de l'attaque meurtrière contre le centre commercial Westgate de Nairobi, les autorités redoutent ce soir un bilan bien plus élevé que les 59 morts annoncés jusqu'ici. L'offensive, qui a aussi fait au moins 175 blessés, a été revendiquée par les insurgés islamistes somaliens Shebab. L'attente et l'angoisse durent depuis plus de 24 heures. Une dizaine d'islamistes somaliens sont toujours retranchés dans le Westgate Mall, un centre commercial de Nairobi. Après avoir tiré dans la foule, le commando a pris plusieurs personnes en otage, obligeant l'armée et les forces de police à progresser avec prudence dans un labyrinthe de boutiques. Le bilan provisoire fait état d'au moins 59 décès et plus de 175 blessés. Escortés par la police, des clients continuent de sortir par petits groupes, désormais en sécurité, mais toujours terrifiés. Il y avait des balles dans tous les sens. On a essayé de courir, mais on ne savait pas où aller. L'agent de sécurité qui était juste à côté de moi a reçu une balle dans la tête. Il est mort sur le coup. Je l'ai vu. Ensuite, un homme m'a tiré dessus. Et si vous regardez ici, vous pouvez voir une éraflure. Il a visé ma tête, mais heureusement, la balle a touché le mur derrière moi. Ce centre commercial UP était fréquenté par de riches Kenyans et de nombreux expatriés. On compte parmi les victimes le poète et homme d'État ghanéen Kofi Awono. Des ressortissants britanniques, français ou canadiens ont également été tués. Le président kényan, dont le neveu est décédé pendant l'attaque, promet que justice sera faite. Les auteurs de cet acte ignoble et bestial ne s'en sortiront pas. Comme les lâches attaquants qui sont en ce moment cernés dans le bâtiment, ceux qui ont planifié l'attaque seront punis rapidement. Nous serons impitoyables. Ce centre commercial, situé dans un quartier aisé de Nairobi, avait déjà été décrit comme une cible idéale pour des terroristes par plusieurs sociétés de sécurité. L'attaque revendiquée par les Shebab somaliens sur leur compte Twitter est menée en représailles à l'intervention de l'armée kényane en Somalie. C'est l'attentat le plus meurtrier à Nairobi depuis 1998, quand une attaque d'Al-Qaïda avait fait plus de 200 morts.
En Guinée-Conakry, un report de 4 jours des élections législatives du 24 au 28 septembre a permis hier de lever in extremis un blocage qui persistait entre la majorité et l'opposition sur l'organisation du scrutin. À la Maison commune, le siège du système des Nations unies à Conakry, dans le rôle du premier étage, les principaux leaders politiques guinéens multiplient des apartés. Les négociations entre l'opposition et le pouvoir sur le maintien ou non de la date des législatives sont difficiles. Après une ultime réunion à huis clos présidée par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, les deux camps parviennent à un accord. Nous sommes convaincus qu'avec cet accord, rien ne pourra plus entraver la tenue des élections législatives dans les conditions libres, transparentes et inclusives le samedi 28 septembre 2013 en Guinée et à l'étranger. Un délai exceptionnel de 4 jours est donc accordé à la Commission électorale nationale indépendante pour corriger les anomalies qui sont à l'origine du report. Pouvoir et opposition semblent satisfaits. Le délai supplémentaire qui a été donné n'est pas un délai de logistique, c'est un délai de renforcement de la confiance, c'est un délai de travail supplémentaire pour que le 28, tout le monde puisse calmement aller à son bureau de vote et exercer le droit le plus sacré en démocratie pour un citoyen. Pour la crédibilité de notre accord, il était important qu'un délai supplémentaire soit accordé. Nous voulions un délai plus long pour nous assurer que toutes les corrections ont été faites. Mais le compromis a été de donner les 4 jours. Après l'accord conclu samedi soir, les Guinéens attendent à présent le décret présidentiel qui officialise la nouvelle date des législatives. Retour en Côte d'Ivoire avec la poursuite de l'opération de déguerpissement des habitants des zones à risque. L'opération menée depuis juillet 2012 par le gouvernement ivoirien ne semble pas recevoir l'approbation des populations de ces quartiers précaires. Faute de moyens, elles souhaitent plutôt que leur cadre de vie soit assaini. Seulement, il y a un hic, on dénombre chaque fois des morts pendant la saison pluvieuse dans ces bidonvilles. Le dossier du dimanche, Michel Mambo. Ces maisons marquées à l'encre rouge sont bel et bien là, toujours au même endroit, plus d'un an après la décision du gouvernement ivoirien de déguerpir les populations vivant sur les sites identifiés comme zones à risque. Des maisons abritant des familles qui, au fil du temps, semblent s'être familiarisées avec le danger. Je suis ici il y a longtemps. On a peur, mais on fait comment? Au moins, si tu as quelque chose là, tu peux dire que ah, ici là, comme c'est comme ça, je vais aller ailleurs, mais on est là. À Boribana, dans la commune d'Atekoubé, à Gobelé, commune de Cocody, ou encore à Washington, toujours dans la commune de Cocody, on se rend à l'évidence. La pluie est un ennemi redoutable, mais faute de moyens pour se reloger, on prend tout simplement des dispositions pour s'offrir un minimum de confort. On se risque même à faire des projets pour l'avenir. Combien d'années? Au moins 10 ans, 17 ans, tu as la maison avec les enfants. On ne peut pas laisser à la famille à la même maison sous ta vie. C'est pourquoi il consulte son enfant va venir rentrer ici parce qu'ils sont ensemble avec son papa. Voilà, c'est pourquoi. Si vous voyez que ça continue, c'est le cas comme ça. 6 000 familles sont concernées par l'opération de déguerpissement initiée par le gouvernement, avec une indemnisation à hauteur de 150 000 francs CFA. La somme paraît insignifiante face aux exigences des propriétaires de maisons. On l'utilise alors à d'autres fins. Ici, par exemple, à Dar es Salaam, un sous-quartier de Gobelé, les indemnités reçues sont affectées à des travaux d'assainissement. Quand vous dites un peu, on a mis courage, vous de vous partir, vous êtes là, on vous a donné l'argent de vous partir, vous êtes là. Ah, c'est vrai. Mais nous, on vous demande depuis longtemps, aide-nous. Aide-nous. Ce n'est pas pour rien que vous êtes venu nous faire escalier. C'est pour nous aider. Voilà. Donc, nous aussi, on dit que c'est quelqu'un qui lave sur ton dos. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut débrouiller à l'avance de ta figure. Voilà ce que nous aussi, on est en train de faire. Toutefois, le gouvernement reste intransigeant sur la question. L'opération Zéro perte en vie humaine en saison de pluie, lancée en juillet 2012, ira à son terme, et ce, malgré les obstacles rencontrés sur le terrain. Nous sommes maintenant sur la phase de démolition.
Bon, on arrive dans une cour où les gens qui ont perçu l'argent sont partis et les propriétaires remettent encore d'autres personnes. Et donc, nous arrivons, ça devient un problème qu'ils n'ont pas encore perçu, alors qu'on sait qu'au moment de faire l'opération, le recensement, les gens ne portent pas sur les, sont pas sur notre fil de recensement. À Gbantier, où il y a souvent des morts, il y a le boulement des sables, c'est là-bas qu'on a eu des problèmes avec, dans une cour où la population vraiment s'est faillée sur nous. Faute de moyens ou mauvaise foi, toujours est-il que le bras de fer entre le gouvernement ivoirien et les populations vivant dans les zones à risque est engagé. Les premiers déterminés à faire le bonheur des Sgons contre leur gré. Les pluies diluviennes de ces dernières années ont emporté une cinquantaine de vies humaines et occasionné de nombreux sans-abri en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est maintenant l'heure de se quitter. Passez une excellente soirée sur RTI 2.